Bonjour et bienvenue, on continue notre petite aventure. Je crois qu'on doit être à la vidéo genre 24, je pense. Honnêtement, on avance tellement plus vite comparé à ce que je faisais en early. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'étais en train de faire de la cuisine, mais je me suis dit, je vais vous montrer en fait. Attendez, faut qu'on vire de ça. J'ai parlé à lui aussi, parce qu'il était en vert. Et il nous dit qu'il a aménagé tout ça, un coffre avec nos affaires et tout, enfin voilà quoi. Ils disent tous la même chose, mais c'est vrai que je l'avais pas montré la dernière fois. On a 80 jours de nourriture, c'est parce que j'ai tout mis dans l'inventaire. En gros, j'ai regardé les caisses, et je pouvais prendre en fait toutes les nourritures, en fait, toutes les choses que je pouvais utiliser directement sans payer, donc j'ai tout pris. Comme ça, on pourra mettre tout à Luden, parce que vu qu'on fait zone par zone et on reste jusqu'à ce qu'on finisse la zone, honnêtement, c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est le plus simple et c'est le plus fun. Ne pas commencer une zone, puis après ne pas la finir et partir dans une autre, honnêtement, parce que c'est après, c'est un peu le bordel. Donc on fait comme ça, du coup on prend tout et on ramène tout. Donc je suis en train d'augmenter l'IDA, comme j'ai dit. On est à 63 de consommation. Et on a donc ça, j'ai fait des fruits confits, j'ai fait un fruit confit. Parce que honnêtement, le repas avec ça, la fable du loup et du houblon, c'est sympathique, c'est juste pour le faire une fois, quoi. C'est pour gagner de la connaissance, honnêtement. C'est vraiment juste pour ça, parce que le plat en lui-même, dégâts critiques et le bonheur augmenté, c'est pas très très intéressant. Mais le critique seul, ça c'est intéressant. Donc la côte de loup est à la bière. Alors le loup, c'est... Bah, il faut tuer des loups, hein, tout simplement, évidemment. Il faut tuer des loups. Après, la bière, c'est facile à faire parce que c'est avec, avec le chanvre. Donc, du coup, ça, c'est pas très, très difficile à faire, surtout qu'ils en vendent tout le temps. Donc, ça, c'est cool. Il faut qu'on voit pour qu'ils montent de niveau aussi. Je suis en train de monter. Ah, j'arrive pas. C'est bizarre, à chaque fois, j'ai du mal. Faut voir. Ouais, ok. On peut faire plein de trucs. Donc, on va faire ça. Comme ça, on le met à fond et il pourra diminuer de 2 ce qu'on doit manger. On va en faire 9. On va tous les faire, honnêtement. Parce que ça, honnêtement, c'est vachement bien. Voilà, très bien. Fais voir un peu l'expérience que t'as... Comment t'as avancé. Ah, je... Putain, c'est chaud. Ouais. Donc, on a ça. C'est très bien. On a quoi? Après, on a plus de plats. Enfin, on peut plus en crafter en tout cas, mais on a des plats qui traînent. Genre choc des cultures, tout ça. Comme j'avais dit, on en a 18. Perche du au chou. Alors le loup, on a encore une. Dégâts 20%, dégâts critiques 20%, c'est pas mal. On a ça aussi, la fondue des trappeurs. Donc j'ai récupéré tout le fromage qu'on avait. Donc je pense qu'on va pouvoir en faire aussi. Ça aussi, c'est pratique. Je vais voir. Que je vais voir en fait quand il sera niveau max. Après, je veux voir si on peut pas changer de personne peut-être. Ou voir si on en a encore plein. Ouais, on va encore faire ça. 4. Ok, très bien. Ça compte les... oui, donc ça compte les délicieux aussi. Alors les fruits confits, comme on a dit, c'est pas très très intéressant. Le porridge, c'est pas très intéressant. Le ragoût de porc, c'est parce qu'on a plein de porc. Ça, c'est bien. Perche au chou. Perche au chou, c'est... Durée de la course. C'est pas si mal, mais honnêtement, si on peut arrêter d'en faire, c'est pas grave non plus, parce qu'on a la vitesse, en fait, avec la fondue. Donc, autant faire de la vitesse, plutôt. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on est à 61... Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Pourtant on a plein de gens. Il y a aussi une personne que je vais fouetter à mort. Ça fait méchant de dire ça, j'ai l'impression, non? Parce que probabilité de fuite, prochain repos est élevé. Donc toi, tu vas être fouetté à mort, je crois. Et on va te... Si tu t'échappes, je crois qu'on va te finir. Les autres, pour le moment, ils ont... C'est faible, donc je les mets au feu. Donc on verra si... Tiens, tu peux peut-être... Peut-être de ce côté, tu auras moins de chance. 70%, c'est pareil. 50%, ok. J'ai mis lui en travail. Les autres, ça va, ils sont tous en faible en fait. Ouais, ça va.
S'ils sont bien logés, nourris, blanchis, ça va quoi. Je suis en train de faire du poisson pour faire de l'huile. Pour la nourriture, il faudrait utiliser des rats, mais comme j'avais dit, je sais qu'il y a des rats, il y a du ragoût en deux mots. Et je veux voir ce que ça fait. Je sais qu'on m'a montré, mais je sais plus les stats en fait. Donc on continue à faire le poisson pour le moment. Fais voir. On peut faire. Bah les perches, on les utilise plus trop à la limite. On peut mettre les perches de côté. Peut faire ça. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc tout le monde est maître. Donc là, on a 4 maîtres d'activés. Donc on a 20% de fatigue en moins et on a moins. C'est quoi? 2 par personne, je crois. Donc on a 2, 4, 6, 8. On a moins 8, c'est très bien. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à augmenter? Il y a Drakkard. Drakkard, il pourrait faire de la cuisine aussi. Ah, mais bon, on va voir plus tard. Mais voilà. Ça. Très bien. Ok, on va déposer ce qu'on a. Alors, vu que j'ai tout mis ici, 70 de. Parce qu'après, je ferai du craft en gros nombre, en fait. Voir si on peut pas monter quelqu'un de niveau. Parce que c'est ça aussi, ce qui est vachement bien avec ce nouveau système. Avec le. Ah, on va déposer 150. Avec ce nouveau système, c'est que on peut tout emmagasiner dans les coffres. Et après, une fois que vous êtes. Bah, vous voulez faire une post-craft, en fait, vous pouvez. Et du coup, ça permet de pouvoir augmenter beaucoup de gens avec différents métiers. Parce que, comme j'ai dit, à chaque fois que vous changez de métier, vous perdez donc l'expérience qu'il y a dans la barre du moment. Genre, par exemple, vous savez, je vous ai déjà expliqué. Genre là, on perdrait les 279 points. Donc, du coup, c'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez faire, enfin, avant, en tout cas, en early. Vu que vous pouvez pas stocker nulle part les choses, c'est toujours dans votre inventaire. Donc, du coup, pour gérer votre poids, c'est la galère. C'est la galère. Donc vous pouvez pas vous permettre de pas crafter en fait sur le moment quoi. À moins que d'avoir je sais pas, genre par exemple là on est à 1700, 1800, on peut avoir plus de 2000 de poids. Donc on va faire 110. Donc du coup il faut avoir je sais pas combien de chevaux hein, pour pouvoir trimballer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, ça c'est vraiment la bonne chose. On garde un peu de choses à chaque fois. Déposer 50. J'ai les essences de vierge aussi sur moi. Honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin de sur soi. Je sais pas si on en a besoin en fait des essences de vierge dans une mission ou un truc. Je sais pas. Ça. Donc ouais, c'est vraiment pratique de pouvoir crafter, faire beaucoup de craft en fait d'un coup. Ça permet de faire beaucoup de différentes personnes qui montent de niveau sur différents métiers. Là, on a plein de gens qui ont plusieurs métiers en fait. Encore une fois, Marmiton étant le plus facile à monter. Hein, et je conseille de le monter. Je conseille complètement de le monter. Parce que c'est super simple. De toute façon, de la nourriture, vous en avez toujours besoin, de 1. Et de 2, c'est super simple. Il n'y a pas de gâchis en fait à faire de la cuisine. Il n'y a que le début qui va être peut-être un peu compliqué parce que. Vous pouvez pas crafter ce que vous voulez. Mais comme j'ai dit, vous prenez un sanglier, vous faites du porc grillé. Puis après, une fois que vous pouvez faire des plats, bah c'est bon. Vous faites les plats et les repas. Donc il n'y a pas de problème. Ça, on peut le poser. Après, tout le reste, on peut plus ou moins le déposer. Il y a juste pour. Ah oui, le. Ah oui, attendez, attendez. Bah non, on va faire du. De toute façon, on fait de la bière pour le moment. On fait de la bière, donc. C'est pas grave. On est à 700. Putain, on est encore très loin.
On est encore très lourd. Faut aussi qu'on fasse les livres. Je vais... Parce que c'est vrai que je les mets à chaque fois. Je me dis, tiens, je vais les faire les livres, je vais faire les livres, mais j'oublie tout le temps. Et je les fais pas au final. Ok, faut voir, on est à 674. Ouais, on a beaucoup de nourriture de côté. Bon, bah, du coup, ça, ça vire. Voilà. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, fais voir un peu les livres, comment ça fonctionne. On en avait fait un, mais on n'avait pas tout fait, en fait. Alors, fais voir ça. Gestion de codex. Déchiffrage, il nous faut le... Ok, toi. Ah, merde. Érudit. C'est qui l'érudit, toi? Non. Il est où notre lancier érudit? Au boulot. Alors, on va faire ça avant de partir, pour s'amuser. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça. Là, ah, on peut déchiffrer. Déchiffrer une fois cette rune associée avec plus. Ok, déchiffrage. Vous avez réussi à le déchiffrage du codex. Vous pourrez comprendre l'indice une fois l'ensemble du codex. Alors, je me suis endormi à Canopé, réveillé à Siegfried. Mais les villes se ressemblaient tant que j'ai cru ne jamais être sorti du port. C'est pitié de voir tous les jeunes bâtisseurs copier le travail d'Erkespet. Mais ça me sert à quoi? Je sais pas à quoi ça sert exactement. Attends, là il y en a deux. Ça, il était bon, tu vois. Hop là. Alors, on y se trouvait. L'épicentre de ce phénomène est sans conteste, il traîne. Depuis qu'Exerpet a redessiné la ville, personne n'a osé y bouger une pierre. On croirait les lieux figés dans le temps. D'accord. Hop, déchiffrage, on peut pas. Oh mon dieu, lui il est compliqué à lui. Ah. Alors, hop. Celui-là, celui-là. Deux. Tac, tac, tac. Yes, déchiffrage. Deux. Il n'y en a qu'un, donc. Peut-être pas lui, ça, ça. Non, pas ça, ça. Ça, ça, on va le faire à l'inverse. Nickel. Marche déchiffrage. Yes. Ok. Donc, du coup, on a déchiffré deux livres. Ah, on a pas, ils disparaissent de l'inventaire. Cool. La gestion des codex. Donc en fait, ils sont tous là, d'accord. Une fois qu'on les a mis, en fait, faut les mettre dans le codex. D'accord. Ça a mis quelque chose sur la map. Fait quelque chose. Parce que ça parle de lieux, mais est-ce que c'est des lieux genre ici qu'on connaît ou non. Non, y a rien du tout qui a changé. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il faut tous les faire d'une ligne. Genre là il faut les 3, là il faut les 3, là il faut les 3. Puis apparemment c'est toujours ces tomes 1, 2 et 3. Donc peut-être que c'est ça en fait. Je vais voir ce qu'ils nous disent. Restaurer les codex de terreur permet de déterminer quelles runes ils contiennent. Une fois restauré, il reste illisible
Tant que les runes correspondantes n'ont pas été apprises, ça marche. Okay. Cool, cool, cool. Alors, toi, tu peux te remettre dans la tente. Donc ouais, on a plein de nourriture qui est vachement bien. On va rester buffé, hein. On va rester vraiment buffé. Parce que c'est assez difficile ici. C'est assez compliqué. Aussi, il faut qu'on achète certaines choses. Qu'on fasse attention à acheter les bonnes choses. Alors le fromage, on n'a pas besoin. Ça, on en a besoin. Le sel, on peut aussi. You're not from Edoran. Ok, on est bon. Alors. Facile et facile. La taverne. Might she be looking for work? Here is your reward. Très bien. Alors, des brigands. Oui, parce que du coup, il y a deux tavernes ici aussi. Ancienne mine d'Edoran. Après, est-ce qu'on prend le boss maintenant? J'en sais rien, honnêtement. Le boss, on va attendre d'être au moins que tout le monde soit 8. Hein. Ou alors, genre une grande partie de l'équipe soit 8. Après, on peut déjà le prendre maintenant. On a pas mal d'influence. Voilà, comme ça. Ça s'est fait. Ce 5, honnêtement, on a 5 contrats. On peut accepter 5 contrats. Donc ça va quoi. Ok. Ah, c'est. Il y en a du travail ici. Hein. Il y en a hein, du travail. Hein. Putain, vache. Ça, il faudra y retourner pour l'arène pour le faire en mode difficile. Ah ouais, là, c'est pas. C'est pas de la merde. On va essayer de les prendre à revers. On a plein de... On peut passer ou pas? Non, on peut pas passer, c'est bien. Ah, on va devoir mettre des pitons. Honnêtement, avoir des pitons un peu partout là, c'est vraiment utile. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ouais, c'est tous des niveaux 8. Ouais, faut absolument qu'on monte de niveau. Ouh, go. Petit sangline. Ouh, 8. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Fais voir la lait. Alors, on a des. Ouais, ça va. Ils ont pas un équipement de fou. Ça va aller. Quand même 3 4 2 3 4 5 6 ça marche. Duan, tu vas aller là. On n'a pas beaucoup de bravoure par contre. Ça, c'est deux archers, ils vont me faire chier. Qui c'est qui pourrait aller tacler les archers?
Il y a Miguet qui fait du bon, ou alors on balance Ménette pour les archers directement. Laura, tu peux aller là directement. Là on est un peu léger en fait. Il nous faut une personne de plus au moins. Ou alors un archer. Ouais, Ingra, tu vas faire du bon dégât. Là aussi il y a un archer. Ok, ça marche. Trois. C'est parti. Ou alors on tue en une fois, tu vas voir un peu. On va se mettre là, comme ça s'ils l'engagent, ils nous montreront leur dos. Joli. On est pas mal. Faudrait envoyer Ménette, lui on va le laisser. Bah, il ira ou sur Drakkar ou sur les sangliers, ça ira. Mais il faudrait envoyer Ménette s'occuper des archers, sinon ils vont nous faire chier. Il faut un peu plus de force pour qu'il ait one shot. Hop, ça va. Ouais, allez. Est-ce que tu peux... Il te reste 16 mètres à faire. 10. Ouais, non. Non, on va rester là. Ok, bien, bien, bien. Toi, tu vas te faire défoncer normalement. Là, on peut peut-être faire un trip. Très bien. Allez, feu! Joli. Parfait.
peut sûrement leur faire mal, voire les tuer. Bon ben... Attends. On peut pas faire ça, comme ça on n'utilise pas la bravoure. On va faire ça. Parfait. Mais bon, toi on peut t'ignorer, tu vas te prendre une flèche. Alors, Miguet, c'est à ton tour. Avance, Miguet. Joli. Très joli. Très joli. C'est pas mal les dégâts. Je pense que c'est pas mal. On va pas tuer avec la bravoure parce que de toute façon. Toi t'es dans le rayon du. Normalement oui. Alors là on est à 35-30-44, maintenant on est à 37-47. C'est pas mal hein le. On peut voir, soudoyer. Ok. Bon, ça va, là là. De toute façon, il va mourir. Et ouais, t'aurais dû te laisser soudoyer. Ça a coûté cher en réparation d'armure, par contre, je pense. Je crois que ça va coûter cher. On va se mettre sur ce côté-là, comme ça. Là, on peut le toucher, il y a plein de place pour le reste. C'est marrant parce qu'on a... Ouais, enfin après, c'est des animaux sauvages, donc c'est normal qu'on puisse pas les contrôler. Parce qu'on a dresseur. Une bravoure jaune, on va l'utiliser, en profiter. Je crois que lui, au bout d'un moment, on devrait lui changer d'arc. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord que son arc, il est complètement à la ramasse niveau dégâts. Mais le problème, c'est que le tir debout, c'est quand même vachement efficace niveau... niveau terrain, en fait. C'est ça qui... Et j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, en fait. Parce qu'en plus, là, on commence à combattre des trucs qui sont un peu puissants. Qui sont quand même... Enfin, si, quand même, ils sont puissants. Donc, j'avoue, du contrôle comme ça, qu'on peut ralentir les gens aussi bien... ouais, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de pas le faire, en fait. Hop, attaque surprise. Excusez-moi une seconde. Ok, désolé. Message au mauvais moment. Bon, ils sont tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ok, ils sont tous là. Ça, j'aime bien les attaques surprises, j'aime bien ça. On les encercle tous, comme ça, on peut tous les massacrer en une fois. Nickel. On n'a pas trop de bravoure. Là, je peux sûrement... Ah, arrête de laguer le jeu au mauvais moment. Yo, mon rat. Ok. Ok, on peut mettre encore une personne. Voilà, là, c'est bien, là. Voilà. C'est pas mal. On va essayer de se concentrer sur les archers, là, les deux. Évidemment, t'as pas crit du tout, va te... Hein. Évidemment. Toi, tu vas bouger où exactement? Mais toi, t'es pas à portée. À portée de personne en fait, donc à la limite on peut faire autre chose. Ouais. Ouh, du poison en plus encore. Ça, c'est joli, ça. Pas mal, pas mal. Ah, là, on a besoin de stratégie. Hein. J'aurais bien placé Ingran, là, pour qu'elle commence à shooter, mais il y a un peu trop de gens, en fait. T'as quoi toi comme bonus? Critique, dégâts critiques. Ah la vache quoi. Peut peut-être te tuer plus ou moins facilement. Comme ça. Normalement... Non mais t'es pas le chef, c'est toi le chef. Ok. J'essaye de trouver un bon angle pour tirer sur plusieurs cibles en même temps. Je suis pas certain que ce soit bien mis en fait. Là on peut sûrement toucher les deux. Ok, on va pouvoir sûrement tuer les deux, ou alors un en tout cas. Ouais. Pas mal. Ok, là on a deux tours. C'est...
Lag pas, parce que là, il y a quand même beaucoup de cibles en jeu. Je veux pas tirer une flèche sur mon ami. Ok, là, c'est pas mal. J'hésitais entre finir elle ou faire bouger lui. Qui c'est qui peut faire bouger encore? Ouais, Drakkar. Ok. Ah, toi tu nous fais chier là. Si je fais ça, est-ce qu'il va bouger ou pas? Non. J'avais dans l'espoir qu'il bouge pas, qu'il bouge en fait. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui, mais finalement. On va taper et engager. Ou pas. Ou pas. Il me faut ma bravoure. Il me faut ma bravoure. Il faut qu'on engage un peu plus de gens. Tu vas nous faire quelques kills. J'aurais dû faire ça en fait. Bon. Ce n'est point mal. J'avoue que ça me manque un peu le fait qu'il puisse plus faire saignement, mais bon, c'est quand même mieux de pouvoir manipuler les animaux. Que je compte avoir une toute petite armée, toute petite, hein, petite, une petite armée de crocopores. Moi, ça m'intéresse. Hein.
L'armée de Crocoport m'intéresse. Nos armes légendaires aussi, elles sont pas à jour. Yeah, amateur bouclier, très bien. Ouais, nos armes légendaires sont pas à jour aussi. Elles sont pas au maximum. Donc c'est vrai que ça aussi, on fait un peu moins de dégâts que prévu. Pas mal, 46. Encore du combat là ou pas? Si, encore. Ah putain, je suis bloqué. Mauvais lag. Là, on aurait. J'étais en train de penser parce qu'on a fait plusieurs combats d'affilée. On aurait pu mettre expérience plus là. Là, j'avoue qu'on aurait pu faire une expérience plus. Vaillant. Ok, là, faut faire attention parce que là, on a très très peu de. On a très peu de points. Alors, Laura, elle est où Laura? Elle est là. Bon, les ours. L'ours m'intéresse. J'ai envie de l'attraper, moi. Après ce groupe là on peut les massacrer, c'est pas vraiment le problème. Qu'est-ce qu'on fait? On se place tous là comme ça, on tue les humains, c'est plus facile. C'est tellement embêtant de les déplacer comme ça. On peut pas aller là comme ça. Juste à pas assez de déplacement en fait. Ah oui, ok, ça marche. Pas grave. Il faut absolument ça. Voilà. Bon bah du coup, va te faire lui. Allez le sauvage. Voilà. Bienvenue dans le nouveau monde. Le loup. Ouais, le loup, s'il m'intéresse. Gagne 3 de rage. Et lui, il a berserk, faut faire gaffe. Parce que lui, il fait... du coup, il fait Superman, il a 100% de dégâts en plus. Alors, on a... Toi, tu pourrais les empoisonner et tout. C'est vrai que ça pourrait peut-être aider. Tout le monde gagne fièvre. Voilà. Ok.
J'ai mis Menet et Duran côte à côte. Quel putain d'abruti que je fais, moi. Combien de dégâts avec ton poison? 228. Okay. T'as pas provoque, il te faudrait provoque toi pour baisser les dégâts. Ok, on va massacrer ce groupe. Alors, comment on va s'y prendre? Non, il me faut Miss Marteau. Elle est où? Là. Pas mal. Quel? C'est bon, elle est morte, pas besoin de... Doucement. Bien. Après on rentrera au camp. Pour aller dormir en fait. Bah c'est nickel. Faire gaffe, il prend 200 et quelques de dégâts. 228. Très bien, il est en dessous des 50%. 78%. On l'a eu ou pas? Si je fais ça, je lui mets saignement, ça va faire 200 et quelques aussi le saignement. Ouais, ça va faire 200 et quelques, donc autant pas quoi. Là, au final, c'est super bien passé. Alors, le tir sauvage à cible est engagé avec un animal allié, coup critique assuré. C'est pas mal ça. Putain.
Might she be looking for work? Here is your reward. Ben voilà, c'était rapide. Alors, fais voir un peu ce qu'on a. Alors, dis-moi qu'il est bon. Pitié, pitié, pitié. Pitié. Allez, allez. Il a élevé par les sangliers, on s'en fout. Il a coopératif. Dégagement de 10% si adjacent à un allié au combat. Mmh, ouais, c'est pas si mal en fait. Est-ce qu'on le garde là, Winnie? J'ai combien de remèdes comme ça? Parce que le sanglier, c'est pas vraiment un truc qu'on va avoir tout le temps. Et je sais pas si ça fonctionne avec, avec les crocopores. Mais je veux bien avoir un ours en fait. Surtout ici en fait. Surtout à cet endroit là. Je préfère avoir un ours qui tank. Que mes hommes. Tout compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité génère un supplémentaire. Ça, c'est utile. Ouais, ça, c'est utile. Vous avez une chance d'attraper du poisson. Ou alors, s'il débute au combat dans une forêt à la galvanisation. J'avoue qu'on a beaucoup de combats en forêt ici. Après, j'aime bien le poisson. Vous avez une chance d'attraper des poissons en marchant près des cours d'eau. Ce galvanisation, en fait, c'est pas quelque chose qu'on a difficilement, j'ai envie de dire. Et ça marche que en forêt. Donc bon. Je sais pas. Moi, j'aime bien le coup du poisson, en fait. Parce que ça... Après, c'est vrai qu'on a plein d'argent, on peut en acheter tant qu'on veut. Allez, on va prendre droit de la forêt, hein. Et après, force et constitution, 10%, ou alors les attaques d'opportunité de cette unité ignorent la garde. Unité ennemie adjacente est immobile. Les attaques d'opportunité ignorent la garde. Moi, je dirais plutôt indomptabilité. Opportunité, c'est quoi? C'est ça. Alors ça, dégâts cibles. Si cette unité est déjà engagée, elle gagne acharnement. Après avoir attaqué, cette unité effectue une attaque d'opportunité. Retirée s'il n'est plus engagé. En fait, la deuxième attaque fera plus mal, mais honnêtement, je préfère lui mettre plus d'HP. Je sais pas si ça vaut le coup, 10% en fait. Enfin, les stats, elles sont énormes. Plus 6, plus 19. Ouais, non, ça vaut le coup. Ouais, il a coopération qui est pas mal. Les 10% de dégâts, honnêtement, c'est sûrement le plus intéressant à avoir, en fait. C'est même mieux que fort, que agile, parce que c'est 10% directement sur les dégâts. Donc c'est nettement mieux, mais après coopération, faut qu'il soit à côté de quelqu'un en fait. Du coup, bon, bof. Je sais pas, on verra. Pour les stats, qu'est-ce qu'on met? Alors, fais voir. Le mouvement. La force critique. Dégâts critiques. Je vous farcie, t'inquiète. C'est à 9 de base en fait. T'as un critique de merde. Parce
En fait, vu qu'on lui a mis ça, du coup, on gagne énormément en fait en force. Genre là, on a de plus 2 de force, 77. Donc on devrait être à 79. Ok, tiens, dis ça, ça bouge pas. Force plus 3. Ah, si, 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 ça, ça influe quand même. Si, si, ça influe. Peut-être lui mettre un tout petit peu plus de mouvement encore. Qu'est-ce que lui on lui met en... Fais voir. Bon bah c'est bon, normalement on devrait avoir plus 1 avec l'ours. Voir, on est à 73 maintenant. Et il a volonté plus 3. Ok. Je crois qu'on est bien. Alors par contre, j'ai vu des bonnes armes. Alors le tir sauvage là. C'est niveau 8. Sauvage en plus avec une étoile, c'est pas mal. Là on a un nouveau bouclier. Tir subit des attaques, tir réduit, ça c'est pas mal. Nouvelle armure. Alors le l'arc m'intéresse. Bon, une grade non. Enfin, quoique il faudrait qu'on augmente celui-là en fait. Mais c'est vrai que toi. Est-ce que ça va augmenter les dégâts? Genre là, t'es à 19, 20, 29. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Bon, 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 ça va, ça va. Ah putain. Ok. Le comptoir, il est où là. Bon, bah c'est... Hein, pas de la tarte, hein. Ça, ça je le garde aussi. Le reste, c'est... Ça va. Oblitération, c'est quoi ça? Coup critique assuré contre les ennemis empoisonnés. Repousse de 1 mètre. Ouais, c'est pas vraiment... Hein. Applique fragilité pendant un round. Si la cible est engagée, c'est que... Ok. Applique fragilité pendant un round. Ah putain, désolé, j'arrête pas de faire... C'est pas ça que je vais faire. Elle est où la forge? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas de forge ici. La forge, elle est au clan. Ah mon dieu, ça c'est une horreur par contre. Ouais, ça c'est très très chiant de, la, de leur part. Ça c'est pour ça que j'aime pas trop... J'aime pas trop ça. From Edoran, right? Ah. Allez, on se casse. On va... On peut revenir un peu en arrière et faire comme ça plutôt, peut-être. Je sais pas, on va voir. Allez, vas-y, on sort. C'est par où? C'est par là. Fais voir combien ils prennent pour les armures et tout. Est-ce qu'on les vend ou est-ce qu'on les désosse? Ça, je veux bien. Est-ce qu'on les vend ou on les désosse? 44, 8.
Le reste ont des os. C'est eux. Normalement, eux, ils vendent, je crois. Putain, mais vous approchez pas des moustiques, putain. Faites chier. Je sais plus exactement qui c'est. Ah, mercenaries. Looking for a plague remedy, are we? Don't bother asking anyone else. We're the only ones who sell it around here. Ah, c'est eux, les contrebandiers. Alors, on vous apprend comment l'huile défense pestiférée. Dégâts infligés aux unités pestiférées augmentent de 25%. Ça, c'est super top. Ça c'est top, parce que si vous faites des armes, du coup, anti-pestiférées pour les rats ou pour les zombies, des trucs comme ça, c'est ultra bon. C'est ultra bon. Après, on a des remèdes, oui. Ultra bon ça. Par contre, c'est difficile à faire. Hein. Il faut à chaque fois un cerveau infecté. Donc c'est pas. Mais ils le savent hein, que c'est super bon. C'est pour ça que c'est aussi cher. Faut que je fasse des bombes. Faut que je fasse des bombes. Sinon on va plus en avoir besoin. C'est très difficile de se déplacer ici. Je pensais pas. C'était pas comme ça avant. Là on est bloqué de tous les côtés quoi. Poison, non. Après, on a les fioles de marée aussi. Ça aussi, j'ai pensé à la flasque de poison. Ça met un nuage de poison. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Tant qu'on a personne qui est immunisé au poison, c'est un peu compliqué. Alors, du coup, on a changé de... Toi, par exemple. Toi, t'as 51 de critique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme potion? Ça m'intéresse, ça. L'huile explosive, ça m'intéresse. Mais je crois qu'on va rester dans le critique, c'est quand même plus simple, on va dire. C'est le plus simple pour le moment. On n'a pas vraiment genre les dernières armes ou quoi que ce soit. On sait pas trop ce qu'on va faire avec. Donc autant rester en critique et puis basta, quoi. Le fait que l'autre il fasse la gueule, de pas générer assez de bravoure, ça nous fout dans la merde. Je veux pas dire, mais ça nous fout dans la merde. En combat, c'est compliqué. Si on a un mauvais placement, c'est atroce. Vous êtes recherché, oui. Merci. Alors, au milieu des offrandes, quelqu'un a glissé une statuette de crocopore. Merci. Non, pas ça. On se repose. On va se reposer là. En plus, on est dans la forêt. Ça récupère, on récupérera du bois. Aucun problème. Nickel. Alors. On veut vitesse de déplacement dans le monde. C'est bien. Critique, c'est bien. Durée de la course. On peut le mettre. On va voir si on a... On est à 68. Parce que, en fait, là, c'est pas encore fini. Moi, je mettrais, en fait, ça. Genre, allez, genre ça. Ça serait honnêtement super pété. D'avoir ça tout le temps. Ça nous ferait force.
Dégâts critiques. Critique. Après, vitesse de déplacement en plus. Et après, la fatigue aussi. Ça, ces 4-là, honnêtement, si on mange tout le temps ça, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est pour ça que je vais en profiter. On va peut-être pas mettre dégâts critiques pour le moment. Mais c'est pour ça, parce qu'on va... Si on mange ces trucs-là, là, c'est extrêmement puissant. Du coup... Attendez, on va prendre un normal. Du coup... on a de la place, en fait, pour des animaux en plus. C'est ça que... C'est pour ça que je veux... Genre, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de problème à avoir plus d'animaux maintenant. Parce que c'est tellement... Bon, déjà, c'est quand même vachement réduit, hein, comparé à la normale. Je crois que là, avec tout ça, avec tout ce monde, en early, je serai déjà à plus de 100. Facilement. Je crois que je serai à plus de 100. Mais là, oui, non, là, ça se passe bien, en plus. Et puis, on a, comme j'ai dit, on a fait tellement de plats, en fait, de côté. C'est vachement bien. On va faire ça. Hop. Voilà. Se reposer. On va voir si quelqu'un va s'échapper ou pas. Oh le bordel. Alors. 6 points, combien de réussite était d'un ours plus 1. T'as réussi à empêcher le prisonnier de Barret de s'enfuir. Le prisonnier s'est enfui malgré le surnom de Cilia. Ok, c'est à ton tour. Allez. Comment tu te sens, toi? Neutre, bien nourri. Et toi? Méfiant. Méfiant, mais il y a beaucoup de vers maintenant, donc tu devrais être bon, non? Moyenne. Ah, il nous faudra quelqu'un d'autre, en fait. Toi... Faible. Neutre. Voilà, ça se passe bien. Puis le coup de l'ours, hein. Le coup de l'ours pour récupérer de la bravoure, ça aide. Ça, c'est l'histoire, par contre. Alors, là, il y a le mec. Alors. Leave us, mercenaries. We are preparing to hold criminal proceedings. An Alizarian soldier made his way into our territory. This is a very serious matter. We found this man alone among the dismembered bodies of his companions. We have no idea how he got there, but his clothes speak for themselves. Any stranger from Alizar setting foot in Harag is to be punished by death. Carrément. L'homme tremble de peur au fond de sa cage, les juges semblent ne pas lui accorder beaucoup d'attention. Ouvrir la cage. De toute façon, nous, on doit faire ça. Tiens, t'es quoi, toi? Toi, t'es novice. Oui, mets-toi... barde. Comme ça, tu nous fais pas chier. Comme ça, t'es pas dans la liste, en fait. Barde... c'est pas le truc qu'on a besoin souvent, quoi. Après, quand on commencera à avoir des gens niveau 8, j'ai déjà fait une armure, c'est une armure lourde, je l'avais fait pour gagner de l'expérience. Ah putain, j'ai plus de crochets. C'était pour gagner de l'expérience de forgeron, pour être forgeron maître. Mais quand on sera plus ou moins 8, genre toute l'équipe, je ferai une... Merde, c'est les fonds. Putain. Je ferai en sorte que... Je ferai une pause sûrement. Et j'irai crafter tout ça. Pour qu'on soit à jour.
Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir retirer tous les renforts et les mettre sur les nouvelles armures. C'est top. Donc, on va perdre aucun renfort. Ça va être bien. Peut-être que j'en ferai d'autres, des renforts. Si on en a des nouveaux. Au moment où la cage est faite, l'homme s'est précipité hors du lieu. What happened? Where is the prisoner? Je sais pas, la case elle s'est ouverte. He escaped. We must catch him before he kills anyone else. Ça marche. This man was surrounded by dismembered bodies when he was found. Maybe he butchered his own companions using some unknown weapon. Peut-être, faut que je mette mon gilet, j'ai froid. Oh. Catch him before it's too late, mercenaries. We must protect the good people of Garusa. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il pense qu'il est allé là. We found this man alone among the dismembered bodies of his no idea. T'as trop de basses dans ta voix, toi, mec. Me casse. Y a autre chose, non? Oh, il est là. Faut le suivre. Oui, on va plus vite que toi, parce qu'on est boosté comme des oufs, c'est bien ça. Après, on ira combattre des moustiques et tout ça. Je sais plus où il est, le mec. Ah non, si, il est au marché. Le marché, je me rappelle. Il doit être au marché, je crois. Il est Kesha, caché, il est là. The scholar said we could make it, but it was impossible. There were so many monsters. They said we were pursuing knowledge. Knowledge. Je crois qu'il faut le capturer obligatoirement. Je suis un peu surpris. I don't sell croc-swine meat. It tastes like. You're not from Edoran, right? We fought the. These pelts are so pristine. Ouais, bon bah, un capturage. Said we could make it, but it was... Alors, lieutenant Gonneuf, c'est désormais votre troupe. Ah oui, tu veux que. Oui, tu veux que je le ramène en fait. Parce que j'ai pensé. Ramener le soldat au juge. Ou ramener. Le au poste frontier en fait. Attends, c'est quoi les cadeaux? J'ai vu que là, il donnait 200 crocs. Honnêtement, c'est pas intéressant. Donc, on va faire ça. On va le ramener chez lui. À Lazare. Faire attention, il y a des zombies. Des zombies et des moustiques. Ça va. Vous avez vu comme c'est bien de le pourcentage en plus là. Puis on se fatigue moins. Là on pourrait attraper des poissons. Ah merde, quel con, je fais pas attention. Ouais, on se fatigue moins. Et on court vite, enfin voilà, c'est top. Hein. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Ces plantes, je sais toujours pas à quoi elles servent. Ah oui, mince, j'ai parlé de ça, le collier. On met quoi sur l'ours? Complètement zappé. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Non, merci. Il faut qu'on fasse une pause, que je regarde ce que je fais avec l'ours. Have you rescued our soldier? Ouais, poudre d'Alazar, ouais, c'est plus intéressant quand même.
Quelques idées à inébranlable ne peut être repoussée. Place. Oh, I see he can no longer disclose anyone's plans. You could have spared yourself the hassle of freeing him, I suppose. But never mind, we have him now. Our scholars will find a use for him. As for you, here is your reward, with the compliments of Alazar and its university. Merci. Les autres, ils vont faire la gueule, mais bon, on s'en fout. C'est pas notre problème. Nous, on ramène le mec. On a été embauché pour ramener le mec. Ah tiens, je veux bien tester les fantômes ici. Donc ouais, je crois que c'est pas mal là comment on l'a mis. Parce que eux, ils s'entraînent. On va toujours avoir des gens qui s'entraînent, honnêtement. Comme ça, on pourra monter un peu de niveau plus vite. Et l'ours, on le laisse là. Parce que j'ai pas trop envie qu'il soit dans... Il est gros, en fait, l'ours. Ah, quoique, en fait, il peut se mettre là. Mais ouais, on le met là, comme ça les gens sont à côté, et puis voilà. Il est à côté du sanglier. Le sanglier, on le garde aussi. Le sanglier, il coûte rien. En fait, comme j'ai dit, si on... Putain, à chaque fois, j'attrape un truc. Puis en plus, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a le ragoût de porc, pour avoir plus de bravoure. Mais là, on va sûrement faire un surplus de nourriture, je vais être honnête, à chaque fois. Donc on peut garder tout ça. Même le sanglier, tout ça, on n'a pas besoin que de le tuer maintenant, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui. Attends, déjà, on va regarder... Putain, on a encore un petit poids. Alors, nous, on a... Ça... Je regarde si on n'a pas des colliers intéressants, en fait. Non. Collier à dents... Ouais, non. Fais voir. Accessoires de ceinture. Non, c'est où? Divers. Accessoires d'animal. Alors, collier à dents, les dents... Ah oui, mais j'en avais plein des objets dans les autres coffres. Faudrait que j'aille les voir. Alors, dégâts critiques augmentés ou alors... permet de le contrôler. Je dirais un collier à dents. Ou alors, on lui met un fer à cheval. Bon, on fera ça quand on rentrera. On va l'envoyer au combat, en fait, l'ours. Pourquoi je suis allé récupérer les... tout le monde qui meurt. Ils sont où? Ils sont là. Tout le monde qui vécreux. Creux. Tout le monde vécreux. Creux. Alors, fais voir. 9, 1, 2, 3, ok. Ok, ça marche. Notre ours, nounours, avec galvanisation, ce qui est bien. Se mettre là. Un petit rat. Ok. Let's go. Ah,
Alors toi, on peut faire sa inspiration. Voir un peu les dégâts. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est du bon dégât. Normalement, il peut contrer. Ah non, non, quand il tapera deux fois parce qu'il est déjà engagé. Combien de vie? Attends, 804. Okay. Après avoir un animal pour tank, c'est beaucoup moins risqué aussi pour votre équipe du coup. Donc ça aide. C'est pour ça que moi j'aimais bien. Ce l'ours, honnêtement, pour le tuer, il faut lui mettre. Faut lui mettre des dots en fait. Faut lui mettre poison et tout ça. Faut mettre tout ça en fait. Mais si vous le faites pas, voilà quoi. Bah, il se passe rien. Vous le tuerez jamais. Sans déconner. Vous le tuerez jamais, en fait, sans les dots. Enfin, les ennemis ne le tueront jamais sans les dots. Ils font pas assez de dégâts, les gens. Les gens font vraiment pas assez de dégâts, du coup, ça. Du coup, c'est super safe en fait d'avoir. D'avoir un ours pour tank. Chier les deux. Toi, t'as combien? 54. Tu vas mourir. Ah non, merde, t'es trop loin. Comme ça, tu. Non, c'est bon. Yes. Supporté. Lui aussi, il va mourir normalement. Ça va, on n'a pas trop utilisé de bravoure, ça va. Quand on commence à être en retard sur un repos, c'est là que ça devient dangereux. Genre, si on n'arrive pas à. On n'arrive pas à récupérer full bravoure sur un repos et qu'à chaque fois on est toujours en retard de quelques bravoures, là ça devient très dangereux. Là ça veut dire que les combats sont difficiles. Ok, parfait.
Bien joué. Vous avez tous les gens morts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pierre de tombe. Je crois que la prison elle est là-bas. C'est quoi ça? Champion. Grotte. Ah, là, ah si, c'est là. Je crois que c'est ça la prison. Prison de Luderne. Et normalement, on devrait récupérer quelqu'un avec nous. Je crois. I am legally obligated to give you a reward for each outlaw you bring in. Jeu de dés. On peut donner nos mecs, c'est 95 là, c'est pas mal. I don't want to die here. Okay. Ah, c'est elle, Inquisitrice Aurea. These heretics arrested me for trying to save their souls. Get me out of here. And I swear by the All-Seeing Eye that I will pledge to you everything the Inquisition has taught me. Eh, pas mal parce que c'est pas cher. Et puis en plus, elle est tout le temps... Elle est haut niveau, je crois, parce qu'elle est dans une zone assez haut niveau. Et elle est pas difficile à taxer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont la recruter. Enfin, qui vont recruter des gens comme ça de haut niveau. Si vous jouez en zonée. On va la prendre parce que... Parce qu'elle est pas chère. C'est un des personnages qu'on vous donne en fait. Bon, comme d'habitude, elle vient avec aucun trait. On va la déposer, on va pas l'utiliser. Comme j'ai dit, on n'utilise pas les gens qui nous donnent. Mais voilà quoi. Pas besoin de presser pour la déposer, on a plein de nourriture. Est-ce qu'on peut mettre une truc là ou pas? On va se reposer avant d'aller dans la forêt là-haut. On va se mettre là. Voilà, nickel. Alors, toi, t'as qu'à te mettre là. Alors, on a eu... Alors, c'est le... Les dés. Alors, jeu de dés. Ça génère plus de... À chaque repos de bonheur. Mais honnêtement, c'était pas utile parce que le bonheur, en fait, on n'en a pas vraiment l'utilité. Surtout à ce moment du jeu, en fait. C'est pas le bonheur. Honnêtement, je pense qu'ils pourraient peut-être. Parce qu'ils ont développé tellement de choses, genre avec l'influence et tout ça. Il faudrait qu'on l'utilise un peu plus aussi, l'influence. Mais ils ont tellement développé de choses avec l'influence. Honnêtement, ils pourraient développer un peu plus avec le bonheur. Parce que là. On l'a. On a atteint 15 au début du jeu, on l'a jamais perdu. Fais voir un peu le niveau 2, s'il y a un niveau 2. Attends, d'abord faut peut-être le poser. On n'a peut-être pas de niveau 2. Non,
Non, non, c'est pas niveau 2. C'est pas ça. Je crois que ça, c'est les trucs des abeilles pour faire du miel. Et ça, je crois que c'est... L'alcool... Non, l'alcool, on l'a. Ah non, ça, c'est le... Pas le lutrin, mais le... Pour la... Avec la mandoline, là. Pour faire de la musique. Je reconnais. Ouais. Et ça, c'est le pieu, là, pour mettre les cadavres dessus. Ça, je sais pas ce que c'est. Techniquement, il n'y a pas de nouvelles choses, en fait, dans le camp. Enfin, non, si, j'ai rien dit. Si, si, il y a le drapeau, par exemple. Bah, il n'y a que le drapeau, en fait, pour moi. Pour moi, il n'y a que le drapeau de nouveau. En fait, tout le reste a été amélioré, oui, mais... Et voilà, quoi. Donc, ouais. Le laisser là comme ça. Alors qui veut faire le con bourrade? Ok, très bien. Alors, vitesse, culture, critique. Après, on avait dit qu'on arrêtait. On pourrait prendre ça. Ou alors, critique en plus. Putain, c'est ouf tout ce qu'on a, c'est top. Vraiment top. Ouais, c'est vraiment top. Très bien. Ours plus 1, 4, 5, c'est bien. On gagne de l'expérience en plus. Par contre, je crois que l'expérience a été améliorée. Hein. Je pense pas que c'était autant. Enfin, en plus, surtout que c'est deux personnes maintenant. Et on a tout ce qu'on produit. 6 bières, c'est bien. J'arrive pas à les sélectionner, c'est ouf. Hein. Mais sans déconner, les mecs. À la limite, genre, je dois bouger le sac, quoi. Okay. Toi, t'es bientôt niveau 7. Ce que je me suis dit, peut-être qu'on devrait mettre Laura. Oh non, Laura, elle est bientôt... Non, pas besoin. C'est mieux de rattraper, en fait. On va les mettre comme ça. Ouais. Je crois que c'est parce que j'ai mis leur hitbox, on va dire, leur carré, en fait, sur les côtés. Je crois que c'est pour ça que ça merdait. Toi, tu te sens bien dans la troupe? Ouais, tu te sens bien dans la troupe. Lui, il a ça, c'est intéressant. Cette unité seule suffit à appliquer supporter à un allié. Marrant. Et lui, toi, tu passes un bon moment aussi. Et la troupe. Oh. Bah pourquoi? Qu'on recherche, c'est pas eux. Là, j'en aura.
C'est eux? Pas eux? Non, c'est pas eux, ils ont pas le marqueur. On se fout. Oh. C'est eux. Ah! Chez moi! Moi qui vous prends à revers. Ou pas. Ou pas, parce que ma troupe, elle est complètement bourrée, quoi. Saloperies d'archers qui sont loin. Ils sont nettement mieux placés qu'avant, les archers maintenant. Je vais pas dire. Mais... Alors attends. Laura. Ok, ça fera deux morts déjà, sans les toucher. Oh la vache! Ah non, un mort. Je fais mal, hein. J'adore ce bruit avec le résonnement, et c'est magnifique. Oui, c'est bien parce qu'à chaque fois on récupère un point. Par contre, il m'a fait un critique, il m'a fait bien mal quand même. Hein. Faire gaffe aux pièges aussi. Y en a là ou pas? J'en ai vu, je crois. Les pièges à ours, ça fait super mal sur la vie. Ouh, joli. Ah oui, l'inquisitrice, c'est vrai qu'elle a rien. Voir un peu les dégâts que tu fais. Ah, j'avoue que... Ah, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Ouais, lui, il va travailler avec l'ours, en fait. Il va travailler avec l'ours, je pense. On fera du bon dégât comme ça.
Mais ouais, on a chasseur, nous, mais maintenant je me demande si ça vaut pas le coup. Enfin, pour l'instant, on n'a qu'un ours, de toute façon, de combat. On a rien d'autre. Ça peut attendre. Peut-être qu'on le respé plus tard. C'est ce que, si on commence à avoir plusieurs animaux... Ah, l'attaque animale, c'est pas mal. Mais bon, les ennemis ont tendance à pas avoir assez d'HP pour justifier ça. C'est vraiment si vous... En fait, c'est... Comment dire? C'est parce que vous voulez le faire, en fait, l'attaque animale, tellement que... Attends, on va faire ça. Je vais essayer de bien formuler ce que je suis en train d'essayer de dire. L'attaque spéciale là, qu'on peut récupérer au lieu de prendre chasseur, on prend, je sais pas, homme des bêtes ou je sais pas quoi. Ça permet de faire attaquer les animaux qui sont adjacents à une cible. Genre par exemple là, il est adjacent, on fait comme quoi il faut attaquer celui-là, du coup l'ours va attaquer. Mais... Si on a plusieurs ours, en fait, c'est trop puissant. Vous faites trop de dégâts par rapport à ce que vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment techniquement être utile. Bon, par contre, on est loin, là. Oh, c'est chiant. Après, dans un sens, c'est bien pour... Ouais, je sais pas. Bon, ça a son utilité, mais je crois que le fait de repousser et de ralentir, c'est mieux quand même. Le fait de repousser et de ralentir la cible est mieux. On peut. Ah mais t'es pas engagé. Oh, merde. J'ai peut-être tué mon... Oh là là, j'ai peut-être tué mon... Mon sanglier. Oh le con. Ah bah là, il y en a un piège. Putain de merde, j'en étais sûr. Ah, quel débile. Je pensais qu'il était engagé avec... Qu'elle était engagée avec l'ours. Ah, nique-toi, mais nique-toi bien. Cette nourriture qu'on peut complètement oublier. Oh la vache, quoi, ça m'énerve. C'était son dernier combat. Putain, toute cette nourriture qu'on peut oublier. Corps de sanglier, vous pouvez l'enterrer où vous le souhaitez. Ah ouais, sérieux? C'est nouveau ça. Tu veux voir? Enterrer.
Non. Je sais pas. Voilà. Oh waouh, il y a une animation et tout. Non mais il y a tout le monde qui est triste pour un... pour un sanglier. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Plein de ressources. On pourrait faire le... utiliser nos points là pour augmenter les ressources qu'on récupère. Ah, secret. C'est quoi ça? Du bois. Ouh. Attends, fais voir un peu. Putain, le sanglier, ça m'énerve, ça. Bon, Laura, elle peut avoir quoi. Alors, fragilité. Pendant un round, les ennemis ainsi que désengagés. Attire en mêlée tous les ennemis dans la zone. Applique fragilité pendant un round aux ennemis ainsi engagés. Non. Tant que cette unité a moins de 50% de santé, elle inflige toujours des coups critiques. Non. L'unité et tous ses alliés dans la zone gagnent brutalité pendant 2 rounds. C'est pas bon. Faudrait l'augmenter aussi. Et on va lui augmenter la force. Ok. Ouais, la force. Pourquoi t'as autant de volonté? Ah, t'es tyrannique. Alors, on a un tir sauvage. On l'a déjà eu. Et un moins bien. Toi, tu as mieux. Toi, t'as 2 étoiles. Servition, on s'en fout. Après, on a eu quoi? On a eu ça. Si cette unité termine son tour adjacent à un animal allié, elle lui applique déviation. C'est pas mal, ça. On a eu ça. Spalière des traqueurs. Les écailles de fer qui recouvrent cette spalière n'est pas sans rappeler le cuir des crocopores. Waouh, bien. Armure garde critique et dégâts critiques. Ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Armure intermédiaire. Mais bon, nous, on a mieux. Parce que si on prend intermédiaire, genre ça, ça c'est un... non, ça c'est lourd. Ça c'est intermédiaire, par exemple. Ouais. Et... c'est très... c'est légèrement mieux, quoique... enfin, j'allais dire, c'est bien pour les dégâts critiques, mais c'est que 8%, mais on perd quand même de l'armure, de la garde et, du critique. Donc bon. Et en plus, on a des renforts du bar, donc on pourrait faire mieux, on pourrait en mettre des meilleurs renforts. Interrogatoire musclé... non, ça, c'est pas mal, ça. L'interrogatoire musclé, ça m'intéresse. Ça... ouais, non, ça, non. Eh ouais, l'ours, t'as perdu ton... t'as perdu ton ami, le sanglier. Putain, je suis tellement dégoûté, quoi. S'imaginez même pas le nombre... le nombre de... de porcs, en fait, de steaks qu'on aurait pu avoir. Genre 60, au moins.
Je dirais, parce que ça fait longtemps qu'il est avec nous. Je dirais un bon 60. On en récupère des sangliers. Comme j'ai dit, vu qu'on fait du surplus en ce moment, c'est le moment de prendre des animaux en fait. Est-ce qu'il est sur la carte ou pas? Non. Ah, ça me rend fou! Ah là là! On va devoir rentrer, s'arrêter un peu. Enfin, mettre fin à l'épisode surtout. Ah mon dieu, mon sanglier. On aurait dû le tuer. On aurait dû le manger plus tôt. Aïe 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 aïe. Ça me rend triste tout ça, moi. Ah, brutalité. Toi aussi tu gagnes brutalité, j'ai pas fait gaffe, oui. Ça c'est bien ça. Que toi tu gagnes brutalité, ça c'est bien, parce que tu pêches un peu en dégâts. Si on touche pas, si on touche plusieurs cibles, tu commences à pêcher très fort en fait en dégâts. Oh la vache. Ah, c'est pas de la merde. Putain. Voir les dégâts maintenant. 88 à 112. Parce qu'il a coopérative, c'est ouf quoi. S'il était solitaire, honnêtement, ce serait encore mieux, je crois. Je pense vraiment qu'avec solitaire, il... Ce serait un carnage. Est-ce que je peux toucher les trois ? Un demi-mètre. Bullshit. Je vais me mettre devant elle parce qu'elle a pas d'armure, rien l'autre là. C'était pour avoir le point en fait. Le point de bravoure. Un peu lourd. On est un peu lourd.
Casse-moi des trucs. Alors ça, ça on peut pas. Tiens, mais on a un fer à cheval, j'avais pas fait attention. Ça, ça sert un peu à rien. Mais on a beaucoup. Ah bah oui, mais les carcasses. Il est où le fer à cheval? Ah, les carcasses, ça pèse lourd. Est-ce qu'on a des carcasses genre normales? Si on a des carcasses normales, on peut les jeter. Si c'est des carcasses bleues, on va devoir les garder. Bon. Bah, on va rentrer. Je vais pas utiliser le... Il me faut une fonte. Eh oui. Eh oui. Le sanglier porté. Le sanglier porté, lui. Ah, mais on est méga loin, en plus, tu vois. C'est relatif, quoi. Forgeron. Je vais pas faire ça. Here's a piece of friendly advice. Maintain your armor properly. The cardinal mosquito of Ludern can pierce through plate and armor. Après, dans un sens, c'est un peu paradoxal ce que tu es en train de me dire. Genre, faites en sorte que votre armure soit bien, parce que les autres, ils percent à travers l'armure. Bon, bah, si les moustiques, ils percent, qu'est-ce que je te dis de face, en fait? Je peux être complètement nu, ça revient au même. Hein. Ah, aussi, il traque. Est-ce qu'on l'a déjà prise, cette mission? On est d'accord, on l'a prise de l'autre côté. Ancienne mine. Living in the swamp isn't always easy, but it's our clan's way. The elders say what doesn't kill you makes you stronger. C'est des conneries. J'aurais pas dû faire ça. Je suis encore plein. Bon, bah du coup on va s'arrêter là, je crois. On va pas aller à l'autre camp, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Ouais. Après cet arc, je pourrais le casser ou le jeter. On verra. On va s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter là, c'est pas grave. Toi, tu... Toi t'es emmerdant, toi tu vas mal finir. Oui. On va manger et on s'arrête là. C'est... Ah oui, ça c'est les coteaux. Ok, très bien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça m'embête. Pour le sanglier. Ça m'embête beaucoup. On a eu 5, 6, 2... Vous voyez, là, on a eu que 2 cuirs blancs. Alors, bon, on n'a pas survécu au coup de fouet.
tu peux faire ça pour l'instant. On a eu que deux cuirs blancs. Pourtant, on a bien... Je suis encore plein. Putain, je suis un fou. Pourtant, on a bien ça. Genre... Lorsqu'une unité meurt par un coup de fouet, toutes les unités assignées produisent comme s'ils avaient été fouettés. Ben non, c'est faux. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Ah tiens, ils sont satisfaits maintenant. Bon, lui, il est neutre encore parce qu'il a rejoint il n'y a pas très longtemps. Satisfait. C'est pas mal. Donc ouais, c'est un peu bizarre le système. Je crois que ça marche pas. On va s'arrêter là en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. On continuera. J'ai gagné quelqu'un qui veut parler. Attendez. Alors, on doit faire que ce qu'on a. L'Inquisition n'a pas l'air de pire qu'une autre. Alors, relation avec les compagnons appréciés. De l'expérience en plus. Encouragé. Ouais. Si jamais on... J'allais faire le... avec les autres, là, elle augmente son affinité avec les autres. Et puis, elle, on s'en fout parce qu'on la prendra pas. Mais bon, je me suis... si jamais un jour je décide de la prendre, autant que tout le monde s'entende bien, quoi. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.